Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Dredge. Dredge, j'aime bien ce jeu, personne ne l'aime et moi j'adore. C'est formidable. Donc là, l'objet, c'est de aller visiter les îles obscures. Genre, il y en a une. Il y en a une par delà là. Celle-là là, tout droit. Paf! Tout droit. Je fais ça là, je fais un tout droit. Avec un peu de chance, je trouverai mon requin légendaire. Que je dois pêcher. Ou alors, juste la mort. Ouais, déjà vu. Déjà vu. Pas vendu du coup, parce que pourri, je crois. Si, je crois que j'en ai même vendu un pourri, mais je suis pas sûr. J'ai entendu un pop-pop-pouette. Genre en plein jour, comme ça, non? À 7h du mat. J'ai tourné. Ah, j'aurais pas dû. Plein ouest, c'est ça que je cherche. Voilà. Je crois que oui. Hein. Donc, le tournoi est déjà maîtrisé. Bonne journée. On cherche du poisson légendaire, mon gars. Pas des merdouilles. Qu'on est déjà. Connais déjà. Tiens, un autre affamé, pas rigolo. Vous approchez d'une silhouette occupationnée, une tunique violette foncée lui masque totalement le visage. Pêcheur, nourrir. La personne semble avoir oublié ce qu'elle voulait dire. Nourrit la bouche. La bouche. La silhouette en avant déboîle un parchemin. Paf paf, c'est un tarpon. Ouais, on en reparle, hein. Je sais pas ce que c'est un tarpon. Un tarba, je vois, c'est toi. Alors l'humour. Allez. C'est quoi ça? C'est pas un tarpon. Pouette, pouette, pouette. Alors, c'est pas, mais peut-être que dans le filet. Dommage mec. On va essayer hein. Un plan pour l'avenir, lecture terminée. Ah, travail terminé. Voilà. Ok, quête, la question, je vais pêcher un tarpon, oui. Et c'était. Un plan pour l'avenir. 15% de chance de ne pas réduire les réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Pêche avancée ou triompher? Ouais, de la pêche avancée. Triompher, non, c'est bien. Ça crée des délires, des batteries. Bon, c'est bien. Moi je trouve ça plus fort, plus de défis. Il y a Chris William ou. Ou c'est Bibi? Non, je m'en fous de ton truc. Je suis en chasse de gros, hein. Je ne cherche que du gros. Bon. C'est ça, il y a Chris William par là. Très, très rigolo. Oui, faut que j'aille vers cette grosse plaque là. Grosse plaquasse de bouse. Voilà que ça se passe. On va survoler les bandes poissons quand même. Ouais, il se passe un truc ici. C'est un gros quinquin. Je peux te pêcher toi? Non, ça. Ah! Il y a épave par contre. De l'autre côté de l'île. Une épave d'avion. C'est cool ça. Allez, avec une petite babiole qui va bien. Paf, paf, pif, paf. Paf, pif, paf. Paf. Un autre gros sextant. Oula, oula, oula. Oula, oula. Oula. Tu te calmes. J'ai dit quoi? Il était énervé lui hein. Il est fâché hein. Je me demande s'il était même pas un petit peu fasciste. Ah ça va, c'est bon. Oh. Oui oui, il se passe des chelouteries, waouh. Qu'est-ce que tu es toi? Un mulet.
c'est une coupe musette. Mais il doit y avoir un marchand dans le coin. Je vais remonter de la cape. Bam. Au cas où je trouverai un moche, un précieux. C'est nouveau poisson quoi. Ah bah voilà. Amulet étincelant. Ces écailles sont devenues un amas de pustules sous lequel un liquide doré. D'accord. Ouais. Ouais, vas-y, je vais épuiser le filon. Ouais. K.O. Désolé. On va trouver des trucs. Pour être incroyable. Voilà, 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 voilà. Oh, mais c'est son tarpiste. Allez. J'ai son poisson à l'autre connard, je vais pouvoir aller faire demi-temps tout de suite. Oula. Un tarpon, ouais, verruqueux. Les écailles ont fait place à de la chair couverte de verrues. Ce poisson très présent à la surface profite du soleil. D'accord. Bah profite hein, ma gueule, hein, parce que ça n'a pas l'air de bien aller. Hein. L'air de... Non, je veux pas dire, mais... Non, mais je voudrais pas paraître méchant, mais t'as quand même pas l'air très frais, quoi. Oui, oui, ouais. Ça se passe des choses. Nourris la bouche, oui. Tiens, Zabi la bouche. Voilà. La silhouette tient le poisson devant son visage et l'étudie en le serrant fermement. Après quelques secondes, le poisson explose sous la pression. La silhouette fouille l'amas en guignolant et prend le cœur qu'elle met sur sa langue. Alimente l'esprit. La silhouette vous montre un autre parchemin. Celui-ci représente une libule. Ouais, bon. Limule, c'est daté quand même, ma gueule. Hein. Limule, limule. Si vous n'avez pas au moins 200 ans, vous pouvez pas comprendre cette blague. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. J'ai vu de la lumière là-bas. Quelque chose s'est glissé dans ma cale. Excellent. Sur quoi? Sur toi. Toi, tu balades. Voilà. Ah. Il y a des choses qui se pêchent par là. J'ai déjà pêché ça, hein. Déjà pêché par dizaines de milliers. Dans mon filet, il y a quoi? Ouais, des limules nuls. Intéresse personne. Je ne peux pas pêcher. Ah, il me faut de la mangro. Ah, faut changer de canne à pêche. Let's go. Non. Arrêtez de me dépouiller, bande enculée. Genre, surtout, c'est terrible parce qu'ils peuvent continuer à me dépouiller. Là, voilà, comme ça. Dans tout, vite. Voilà, chais. Bah, il me faut un truc pour pêcher dans la mangrova, madame. Hein. Dans la mangrove. Si, j'ai un truc qui fait mangrove, la mangrove, volcan, là. Ouais, c'est ça, hein. C'est celle-là. Hein. Elle fait tout, même le café, à ce qu'il paraît. Désinstaller vers la réserve. Ouais, c'est comme ça. Et j'ai pas le filet à mangrove. C'est pas grave. Ah, c'est pas le plus embêtant. J'ai vu un petit banc de poisson ici que je pouvais pas pêcher. Hop hop hop, on vient par là. Boum boum. Un brochet de mer, c'est pas ce qu'il voulait l'autre. Il voulait une limule. Heureusement que j'ai fait la blague parce que sinon j'étais déjà en train d'oublier. J'étais déjà en train de me dire mais qu'est-ce qu'il m'a demandé déjà. Et heureusement ma blague m'est revenue. Heureusement qu'elle était incroyable d'ailleurs. Hop. Tac, ok. Rien d'autre. Tac, tac, tac. Ici là il y a des choses. Ouais non mais c'est des limules. Enfin c'est pas des limules. C'est justement c'est le truc dont on s'en fout. C'est pas ce qu'on veut. Ça aussi c'est pas ce qu'on veut. Oh, c'est parce que je veux. Oh, c'est nul. Ah, bouteille par contre là-bas. Bouteille, cabane ou je sais pas quoi, mais il y a un truc doré qui brille là-dedans.
Techniquement, il faudrait d'ailleurs, tiens, que j'attrape aussi dans ma réserve mon petit panier à crabes. Je propose de faire un petit somme et d'aller jeter un petit panier à crabes. On va peut-être découvrir de nouvelles espèces. Boum. Il y en a peu par ici. Bon. Oh, il y en a beaucoup par là. Alors, c'est par là qu'on rentre dans ton truc. Non, on pouvait même rentrer à gauche. Avant le marchand. On va visiter avant le marchand. Ouah, il y a des icônes. Tu vois, il y a des orques qui habitent le quartier. Qu'est-ce que t'es, toi? Un garpic alligator. Oh, le poisson. Oh, la... oh les belles quenottes, hein. Oh, putain, ils sont de plus en plus longs, les machins. Hein. Heureusement que je suis pas venu là avec un petit bateau. Hein. Tu pêches plus rien, tu pêches un poisson, ton truc il est plein. Ah, un dégueulasse, parfait. Un garpic à serre. Ouh là là, ces nageoires se terminent en serre crochue qui s'agitent régulièrement et se referment comme des mains. Oh, il est dégueulasse, c'est magnifique. Je me fais une pleine cale du machin. Ça, c'était bien. Il y a quelque chose à notify par ici. Un truc dessous. C'est un piège à con. Ça ressemble à un gros piège à con. Il a failli m'avoir. Je sais même pas pourquoi il m'a pas eu. Hein. C'était dit, non, celui-là est vraiment trop con. Il y a con, pas très con. Pas à cause perdue non plus. Ah, je connais pas. Un brochet des mers. Si, on a. Visiblement, c'est déjà pêché. Hein. J'ai déjà oublié. J'ai oublié que j'en avais pêché. De toute façon, on va faire demi-tour, donc autant remplir. Voilà. Comme ça. Ouais, comme ça. Hop. Hop, comme ça. Comme ça. Ça, comme ça. Ah non, c'est chiant. Tout est chiant. Tac. 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 Hop là. Alors. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Mon filet, toujours pas. Faux. Mon filet est bousillé, il faut que j'aille à la chasse. Ouais, c'est vrai que. Du coup, vu que c'est le petit filet, il s'abîme. Eh, mais attends! Vous me dites pas que je suis idiot! Parce que vous êtes des mecs sympas, c'est pour ça que vous le dites pas. Hop là! non, pas dormir. Tac. Alors, du coup, j'ai envie d'avoir mon filet des mangroves. Bien sûr. Enfin, bien sûr. Hop, chantier naval. Filet. Voilà le petit nouveau. Et ben. Vendre. Bam. Acheter. Installer. On est à presque 6000 balles. On pourrait aller voir si de nuit il y a des choses, des bestioles, des machins intéressants à pêcher de nuit. Parce qu'il est tout à fait possible que la limule ne se pêche que de nuit. Mais je vais faire couler un peu les jours pour que le panier fasse son travail. Suspense, mort, action. J'ai l'impression de voir des trucs partout. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille visiter toutes les côtes. Oh, bonjour. Ah, au revoir. Gonna go fast. Vas-y, vas-y, viens, 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 do it, do it. Il s'est pas fait avoir. Non, je suis monster d'egg. Il s'est pas fait douiller par le piège. Non, ça c'est dégueulasse. Quoi? Il a fermé. Le petit bâtard. Viens ici, petit bâtard. Ici, ici.
Allez, je sais que t'es là, là. Bon, où il est. C'est déjà pêché, ça, ou pas? Oh là là. Oh, par contre, je fais tellement des drifts. Ouais, je fais des drifts de la mort, hein. Bon, il y a des trucs posés avec des lanternes, tout ça, quoi. Voilà, on balade là-dedans. Qu'est-ce que ça raconte? Allez. La pierre tremble devant vous, des symboles inconnus brillent à l'intérieur. Placez votre main sur la pierre. Un frisson vous parcourt, remontant dans vos bras et votre cou. Une vision intense s'empare de votre esprit. Un parasite s'enfonce dans une grosse carcasse serpentine. Il se nourrit, grossit et se multiplie. Des tentacules sortent de sa tête, sentant l'eau tout autour. Le corps de l'hôte tremblote malgré lui, avec un cri qui résonne dans la forêt. Il se lève à nouveau. Les grosses ambiances. Ouais, poisson dégueulasse, ok, on connaît. Pêcher un limoule ou une limule, je sais pas. Bon, de toute façon que j'ai pêché un peu tout ce qu'il y avait déjà à pêcher. Ce qui dégoûte un peu. C'est une sortie ou un cul de sac? Ah non, c'est une sortie, je suis déçu. Ah, j'espérais trop être emprisonné dans le truc. Ah, le machin me poursuit. Ah, ça c'est explosable. J'ai pas d'explosif. Cool. On va retourner voir la marchande. Collago fast. Je sais où je peux utiliser des explos. Quoi, pas gêné, on va rentrer. On va se répa. On va acheter des explos. Et 15h30, on va même faire la grosse siestoun. Oh, vraiment, on abuse de bien faire les choses. Déjà, est-ce que tu veux bien réparer? Merci, c'est cool. Est-ce que tu veux bien me donner ça? Et tes explosifs, s'il te plaît. Boum. La recherche avance, bien sûr. La recherche avance. Bon, on va se mettre sur le moteur. Hein. Depuis le temps, hein. Allez, il n'y aura plus que 4 et on n'aura plus de soucis de moteur. Jamais. Sauf si je pète les deux, bien sûr. C'est pas impossible. Il y a même une probabilité assez forte qui existe. 5 heures largement suffisant. Hop, rappelons-nous, c'est large. Youpi. Pas faire péter son moteur. Ah, il y avait un truc pêchable. Ah non, c'est parce qu'il y a des vents de magie obscurs. Hop là. Utiliser des explosifs. Boum. Boum bébé. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Un poisson. Un poisson tigre goliath. Oh, pff, oh la taille du machin. Ce poisson géant est un terrifiant prédateur qui fait partie des espèces les plus agressives. Ses dents sont si grandes qu'elles transpercent sa mâchoire opposée. Ah, c'est... Il a tellement le seum qu'il a même le seum contre lui. C'est rare, hein. C'est rare, hein. Le mec déteste tellement tout qu'il se déteste lui-même. C'est quand même... C'est un drôle d'asticot, on a envie de dire. Tiens, on m'a ouvert une porte, là. Ouais, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. J'ai déjà pêché ce truc-là? Oui, on s'en fout. Allez. Qu'est-ce qu'on a par ici? Un autre piège, donc normalement un autre monstre. C'est déjà pêché, ça. Ça se referme pas sur lui là. Il y a des choses qui m'obscurcissent, hein. Ma vision et mon jugement, hein. J'ai dû pêcher 3 types de poissons. Bon, j'ai pas le choix, faut que je passe par là. Ok, on va passer par là. Moi je veux lui péter sa gueule, du coup je vois des gros pièges, il y a moyen de lui péter sa face. Je veux lui péter sa face. Ok, arène de combat, let's go. Et où ta tête de débile là?
Ah, attends, attends, sanctuaire au poisson là. Vu. Un rocher irrégulier avec une petite plateforme à sa base, la silhouette tordue d'un poisson difforme est gravée dans la roche, presque méconnaissable. Ah, on dirait le tout petit que je pêche, mais en gigantesque. Vous savez, j'en ai déjà pêché comme ça avec mon filet, d'ailleurs, hop, je replonge toi là-dedans. Avec mon filet arrière, j'en avais déjà ratissé des petits machins, genre c'est des agglomérats à trois yeux, mais ils sont tout petits. Jamais des gros. Ouais, ok, qu'est-ce que tu veux. On a peut-être dû commencer par me dire un jour de faire le tour d'abord ce truc-là. Ça a l'air un peu décousu ma façon de travailler, mais sachez que c'est lourdement maîtrisé, hein, bien sûr. Je sais très exactement ce que je fais depuis le début. Ah, et l'autre qui verrouille tout. On peut pas se balader comme on veut là-dedans. Chiant. Une carcasse d'avion ? Il n'y a rien à voir au niveau de cette carcasse d'avion ? Merci. On sait pas. On sait pas si... Ah, mais regardez, il y a des poissons de nuit. Ah, mais oui. Formidable. Ah. Les anguilles. C'est nocturne, ça ? Genre, c'est spécifiquement nocturne. Anguille, longue et délicate nageoire qui passe sa journée enroulée autour des racines des arbres des mangroves, mais sort la nuit pour chasser. Ok, mignon. Mignon tout plein. T'as qu'on voit les choses, monsieur. Mais bon, nos amis les bêtes, après tout. Tout l'anguille aussi veut qu'on l'aime. J'ai bien envie de sortir d'ici. Ah bah voilà. Un poisson chat. Et un poisson chat dégueulasse. Les barbillons crochus traquant leur proie dans les mangroves tortueuses. Ce poisson jadis paisible a pris de l'assurance avec des nageoires pourpres. Ok. Ah, laisse-moi tranquille. Détruis pas mon poisson, hein. Sacré mon poisson. Toujours les petits cons, hein. Toujours les petits cons. Remonter vers le marchand. Oh, ça va être con. Vas-y. Vas-y, on remonte. Brochet vortex. Ah. Ok. Ah oui, pêché par... Je veux dire, mais est-ce qu'il est le poisson? Mais il est là. Rocher vortex, un petit tourbillon déforme son corps, l'étirant vers une dimension invisible. Parfaitement normal. Et les gens te l'achètent pour le manger, hein. Puis cher en plus, hein. Genre, ça les gars, franchement, je vous jure, hein. Avec une petite maillot. Et je vous dis que ça. Je vous dis que ça, et je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. C'est vraiment incroyable. Et bah ça m'a l'air assez grand comme bazar. Hein. Pouette. On pourrait d'ailleurs passer par l'autre côté. Tellement c'est grand. Ah ouais, oh ma réserve. Vas-y, monte ça. Allons voir le panier à crabes si ça a mordu un peu cette histoire ou pas du tout. Ah bah oui. Allez, hein. Ça monte. Ça monte. La limule. Bah alors. Juste un mulet. Donne-moi un moche. Donne-moi un moche. Mais donnez-moi un super méga moche. Bon. Il
Laisse pas tranquille, toi! Ok. Hop. C'est bon, il a réparé le gros. Parfait. Ouais, hop. Turbo vitesse. Il manque de pouvoir. Et le gadget à nourrir. Enfin, il va falloir que je le marque, hein, parce que je sens que je vais l'oublier. Hein. Je crois qu'il est par là. Je crois que c'est cette île avec d'un côté l'avion crabe, le crabe avion. Et de l'autre, le clodo. Ah, des poissons dégueu. Vas-y, vas-y, je veux un poisson dégueu. Ouais, je les connais déjà, mais voilà. Un petit dégueulasse. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Allez, hein, on charge. Pourquoi? Parce que on a pas besoin d'argent, mais on charge. C'est comme ça. C'est la loi de la canne à pêche. J'ai une canne à pêche, j'ai un bateau, je pêche. Ah, super. Éclairage au tungstène pété, putain. Alimente l'esprit, la soulette vous montre... Ouais, ils sont en ton parchemin. Casser ma loupiote. Hein. La silhouette retourne l'animal pour exposer son ventre mou. Elle arrache les entrailles à l'aide de ses ongles acérés et le dévore frénétiquement. Consomme le ciel. La silhouette révèle le dernier parchemin. Celui-ci représente un poisson revenant. Ah, j'en ai pas encore croisé. Bon, bah, plus tard, ma gueule. Hein. Bisous, bisous. Je trouve ça, je te ramène ça. Hein, à l'occasion. Hein. Contre, vraiment, les clodos, vous pourriez payer vos poissons, quoi. Alors, un livre, c'est toujours sympa, hein. Je lis aucun livre. J'ai fini le dernier, déjà? C'était quoi, le dernier? 15% plus... Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais fini le dernier, ouais. J'en avais pas relancé. Comme quoi. Ok. J'ai pété mon moteur. J'ai même pas l'impression qu'en faisant ça, la caméra recule, mais je suis même pas sûr qu'on aille plus vite. Fonce ! Fonce ! Allez ! Ça donne des choses dans mon bateau, hein. C'est vrai que j'ai quand même un nombre de points de vie déterminé, parce que j'étais juste en train de me dire, bon, il me fait des croix, il me fait des croix, il me fait des croix. Et là, quand il tue, il fait... Ah, mais en fait, il fait pas que des croix. Du coup, là, tout est vendu. J'ai juste un lémur. Ok, bon. Hein. Je fais ça hors vidéo. On se retrouve ici, dans le prochain épisode. Je vous remercie, c'était Clafranc sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.